Ça fait une éternité que je n'ai pas sorti ma caméra de vlog et de base cette vidéo n'était absolument pas prévue. Initialement j'ai reçu un colis de la marque Mini Hors Shop, donc j'étais toute contente, j'étais prête à vous tourner une belle vidéo avec des belles images, des beaux ralentis avec mon réflexe. Cependant je vais vous montrer l'état de mon réflexe actuellement. Il est beau hein, là il est très bien. Là il y a un petit problème. Voilà, grâce à qui? Grâce à ce chien là, ce petit truc. Laïa, monte ta petite tête. Voilà, cette petite chose vient de me casser mon réflexe. L'écran était du coup, je l'avais mis en rotation pour voir ce que je faisais. Bah c'est l'écran qui est parti directement par terre et avec le reste bah, du poids de la caméra et de l'élan de la hauteur, bah il a cédé. Voilà. Je n'ai plus de caméra, sachant que mon réflexe, je l'utilise à 95% de mes vidéos. Je suis ravie. Nous nous retrouvons le lendemain. Voilà, j'ai préféré décompresser un peu par rapport à ce qui s'est passé. Et vous tournez quand même une vidéo parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais du coup, ce sera sous format vlog. Ça m'embête beaucoup hein, ce qui s'est passé avec ma caméra parce que bah, comme je l'ai dit j'utilise ma caméra à 95% sur mes vidéos parce que je m'étais plus orientée sur des vidéos plus courtes mais beaucoup plus travaillées avec plus de détails sur les images et clairement bah, avec une caméra de vlog c'est beaucoup moins possible. Du coup bah voilà, on va faire cette petite vidéo tranquillou en caméra de vlog. Je vais vous présenter tout de même le carton que j'ai reçu parce que ça fait un moment que je l'ai et bah voilà, j'ai envie de vous présenter les articles, sachant que bah, ça fait un mois qu'on a eu un temps de cochon ici où on n'a pas eu un seul rayon de soleil pour vous dire hein. C'est soit il pleuvait soit c'était ultra gris mais le soleil on ne le connaissait plus. Là on voit à l'arrière il y a quelques petits rayons mais ce sera pas pour très longtemps, normalement c'est pour que quelques jours et ensuite on repart dans du mauvais temps. Donc voilà, on est parti, je vais aller nourrir Golden comme d'habitude et ensuite je vous présente le colis. C'est parti. Bon, pour vous présenter du coup mon colis, qui est déjà un bon gros colis, mais finalement il n'y a pas tant de choses à l'intérieur. Parce que oui, maintenant je sais le contenu du carton depuis le temps que je l'ai, mais je suis hyper contente de ce que m'a envoyé la marque Mini Hors Shop, parce qu'on va enfin pouvoir commencer à travailler avec Gossip. Si vous me suivez sur Instagram et si ce n'est pas encore le cas, bah allez vous, vous abonner sur mon compte. J'avais testé sur Gossip le Surfait de Bilbao, voir ça, si ça lui allait. Bon, c'était bien, mais j'ai toujours voulu en avoir un et j'aime bien avoir du matériel pour Bilbao, du matériel pour Gossip et pour Golden. En fait, que chacun ait son propre matériel. Au moins, voilà, il n'y a pas toujours de changer, de resserrer, desserrer, etc. Et du coup, la marque Mini Hors Shop m'a envoyé dans un premier temps ceci. Alors comme ça, on ne voit strictement pas de quoi il s'agit, mais il s'agit du coup d'un Surfait qui est beaucoup trop beau, j'adore les couleurs. Hop, alors si j'arrive à l'enlever, hop, un Surfait avec de la moumoute aux deux extrémités, donc il est super joli. J'avais déjà filmé des images avec le Surfait, donc je vais vous mettre des petits close-up, au moins vous verrez plus en détail. À ce moment-là, mon réflexe était encore vivant. Il faudrait que je teste sur Bilbao, mais sachant que Bibi a un gros, gros, gros bidon, je pense que je vais privilégier celui-là pour Gossip et voir du coup pour en racheter un comme ça pour Bilbao parce que je le trouve super joli en fait. Hein. J'aime bien la moumoute et vu qu'il y a de la, bah, du coup, cette moumoute, ça évite parfois de mettre des tapis parce que l'autre que j'ai, il est vraiment très fin et même la sangle en dessous, c'est que du nylon, alors que celui
puis là, bah, du coup, il y a la petite protection supplémentaire. Pour continuer au niveau de l'exercice de longue reine, ils m'ont envoyé un caleçon violet également en nylon, toujours de la marque Mini Hors Shop, donc qui ira avec le surfait. Voilà, on est dans les tons violets, avec de la moumoute au niveau de la muserolle et également de la têtière. Mais la têtière, elle peut s'enlever en fait. Vous avez des petits scratchs. Voilà, s'il n'y en a pas besoin, si vous, parfois vous trouvez que ça fait trop. Parce que c'est vrai que c'est mignon la moumoute, mais par exemple, si on est en été et que je veux utiliser le caleçon, c'est vrai que trop de moumoute, ça va les faire transpirer pour pas grand chose. Donc voilà, j'ai également un petit caleçon pour utiliser sur Gossip. Du coup, Bilbao, il a son caleçon en cuir et Gossip aura son caleçon en nylon. C'est ça que je voulais justement acheter à Gossip parce que celui de Bilbao est trop grand. Ils m'ont également envoyé une longe très longue. Voilà, ça c'est plus pour longer les loulous. On doit être sur du 3-4 mètres facile. Donc ça, ce sera pour l'utiliser quand je longerai les loulous. Un exercice que j'ai encore extrêmement du mal à faire correctement. Mais voilà. Et ensuite, ils m'ont envoyé des couvertures, mais je sais que je pourrais pas les utiliser tout le temps, mais elles sont magnifiques. En ce moment, vous voyez beaucoup les couvertures Kentucky de présentation, celles-ci là qui sont extrêmement belles, mais qui sont extrêmement onéreuses. Et bien moi, j'ai mes petites couvertures, elles sont beaucoup trop trop belles, mais de la marque Mini Hors Shop, donc c'est quasiment le même concept, mais du coup ce n'est pas de la marque Kentucky, mais elles sont magnifiques. Donc celle-ci c'est une 110 cm, donc c'est pour Gossip, avec la moumoute au niveau de l'encolure. À l'intérieur on a du tout doux de couleur marron. En fait les couleurs se marient hyper bien et je la trouve magnifique, j'ai été sous le choc, ultra heureuse quand je les ai reçues. Pour le passage sous la queue, en fait, on a une sorte de caoutchouc pour éviter les frottements de la corde. Et tout ce qui est mousqueton est en sorte de rose gold. Donc franchement, la couverture est ultra mignonne. Mais celle qui me fait également craquer, c'est qu'ils m'ont envoyé une également pour Golden. Et... Golden, c'est mon poney Barbie. Et bien, mon poney Barbie aura sa couverture Barbie miniature. J'ai très hâte de l'essayer sur Golden. C'est vrai qu'on a eu le temps la dernière fois de faire sur Gossip, mais le temps commençait à se gâter. Donc, il y avait du brouillard, il faisait froid. Gossip était pas du tout dedans. Et en plus, j'avais un rendez-vous. Donc, je n'ai pas pu encore essayer la couverture à Golden. Donc, on l'essayera juste après. Mais. Beaucoup trop mignonne, je kiffe, je suis en amour sur les articles de Mini Hors Shop et vu que c'est en taille plus petite, bah, ça fait beaucoup trop rêver. Donc voilà le colis que j'ai reçu de la marque. Vous avez toujours moins 10% avec mon code Mini Hors Shop 2021 XSmall qui vous donne moins 10% sur toute votre commande. Donc profitez-en, surtout si comme moi vous êtes fan des couvertures Kentucky mais que vous ne voulez pas forcément payer le prix Kentucky, bah vous avez les alternatives comme ça et qui sont également de très bonne qualité. Hein. Quand on regarde, les détails sont très bien faits, c'est très bien taillé et pour beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas, ils existent également pour les tailles plus grands. Hein. Comme je vous ai dit, Mini Hors Shop ne fait pas que pour les mini, ils font également pour les plus grands. Donc cette couverture, si elle vous plaît, bah vous pouvez également la retrouver pour votre cheval. Donc profitez-en. Regardez-moi cette beauté! La couverture est vraiment magnifique. J'adore. En plus, vous avez les petits détails en cuir synthétique là. Non, attends, bouge pas. Au niveau du poitrail, elle est trop belle. Je lui ai mis son petit licol en sorte croco. Je trouve que ça se va hyper bien avec. Oh, t'es trop belle. On dirait une petite jument de compétition là. Wow. J'adore. Elle est beaucoup trop belle. J'adore. T'as un petit bidou, t'as ton petit bidou qui dépasse en dessous. Elle est magnifique. Oh là 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 là, t'es trop belle.
Mon Dieu, une vraie diva. En plus, je lui ai mis un petit lit color rose qui vient aussi de la marque Minior Shop. Mais j'adore. Clairement, elle est sublime. Sublime, 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 sublime. Oh, t'es trop, trop belle. Donc voilà les petits essayages des affaires. Je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Du coup, je pense que demain, j'en profiterai pour tester pour la première fois les longues graines avec Gossip. Donc ce sera sujet d'une prochaine vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Moi, je vais arrêter celle-ci maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, je vais aller m'occuper du box. Mais bon, ça, vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas vous montrer. Il faut que je le cure, que je nettoie, que je le remette du foin, que je nettoie un peu par-ci, par-là. Et après, je vais partir parce que je dois travailler cet après-midi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, en cliquant également sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et sinon, moi je vais vous laisser et on se retrouve pour la prochaine. Salut !